Yeah. Nostalgia. Okay then. Alors ça c'est le fameux strombophone qui est très utilisé pendant le carnaval, d'accord ? Un instrument qui était utilisé par les anciens pour faire passer des messages, notamment les pêcheurs quand ils arrivaient à quai. On soufflait là-dedans. Quand il y avait un décès dans un village aussi, pareil, on soufflait dedans. Et maintenant, ça c'est un instrument qui est utilisé pendant le carnaval, qu'on appelle le strombophone. D'accord, qui est aussi utilisé par des jazzmen, des instrumentistes sur scène, notamment Franck Nicolas, d'accord. Et ça reste un coquillage typique, traditionnel, réglementé. Il y a des périodes de pêche, il y a une taille réglementée à respecter. Et la chair est surtout comestible. Là. Et comment ça s'appelle la chair alors? La chair s'appelle le lambi. Yes, I. Chéri, ah ouais, du coup, ah, on va du coup anti-force. C'est ça. C'est bon, chéri. Bah, allez, bon. Yes, I.